Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Equidéo pour un nouvel épisode et normalement je pense que ça sera le seul épisode que je pourrai tourner ce week-end. Bon, avec un peu de chance peut-être que j'arriverai à en tourner un deuxième, mais ne soyez pas surpris si je tourne moins d'épisodes Equidéo. Autre info, le week-end prochain je pourrai tourner zéro épisode. Du coup, en fait, vous aurez pas de vidéo pendant presque 2 semaines. Donc, il y a un week-end où je pourrai pas tourner et je tournerai le week-end suivant. Donc, vous allez passer à peu près 2 semaines sans contenu. J'espère que vous tiendrez le coup. J'espère que ça va. Vous serez pas trop en manque. Donc voilà. Donc, je vous préviens quand même que vous soyez pas surpris. C'est pas que je veux pas, c'est que malheureusement je ne peux pas, puisque Equidéo me demande de tourner une vidéo le jour pour le lendemain. Et du coup, actuellement, c'est pas possible. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu plein, plein d'autres contenus. Encore un nouveau let's play qui va arriver, etc. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu. Pas du contenu Equidéo, mais il y aura du contenu. Enfin, si, il y a une fiche de blob qui va sortir, donc vous aurez quand même du contenu. Du coup, on a pas mal de petites choses à faire. Je vous préviens aussi, j'ai la main dans une attelle puisque j'ai une tendinite, ça, parce que je travaille beaucoup, beaucoup trop sur le PC. Je fais plus de 10 heures par jour, du coup, je me suis chopé une tendinite. Voilà. Donc voilà, j'ai une attelle. Donc soyez pas surpris si je galère un petit peu pour cliquer. Du coup, objectif numéro 1, gagner 40 écus en participant à une compétition. C'est parfait, je viens de le faire, le réaliser. Je me suis occupée, je vous rappelle, de Dada en hors-cam. Ensuite, j'ai lancé des vidéos publicitaires. On gagne 5 passes, ça fait plaisir. Ça ne veut pas fonctionner. Ça ne veut pas fonctionner. Allez hop, ça dégage. Je ne me prends plus la tête. On a le clicor. Ça commence bien, décidément. Allez, on dégivre. On n'a rien. On dégivre. Mon micro qui est en train de se casser la figure. Ok. Le pied qui est en train de descendre petit à petit. Décidément, ça va pas pour cet épisode. Il y a plein de choses qui vont pas. Bon, c'est trois fois rien. C'est trois fois rien. Hop. On félicite. Il nous manque un topaz. Voilà, nickel. On félicite. Du coup, tu me fermes tout ça. Ah! Eh, allez, clique! Allez, tu vas y arriver! Tu vas y arriver! Hop, on félicite. Voilà, on félicite. On félicite. Tac. Et voilà, nickel! Ensuite, les petits Xianthos. Je n'ai. Si, j'ai gagné une corne et tout ça, mais c'est sur Uranos. Alors, j'ai décidé que je. D'habitude, je vous montre quand je reçois une corne et autres. Mais je me suis dit, vaut mieux que je vous montre uniquement sur Gaïa, parce que sur Uranos, ça n'a strictement aucun intérêt, puisque c'est que sur Uranos. Donc. Je ne peux pas l'utiliser sur Gaïa. Contrairement au pass, que du coup, je peux. Eux, je peux les utiliser sur les deux mondes. Hop, voilà. Je galère, je galère, je galère. Il m'en manque un sur Uranos. Donc j'irai le féliciter. Enfin, le caresser tout à l'heure. Tac. Bien sûr, il m'en ouvre 5. Du coup, ça m'oblige de fermer tout ça. Moi qui galère, ça va être un peu compliqué. Allez, Archimède, pose-moi des questions.
De quelle race sont principalement les chevaux de la garde républicaine? Des selles français, des frisons, des camargues ou des percherons? Alors, ce ne sont pas des cas. Déjà, ce ne sont pas des frisons. Ni des camargues. J'ai envie de dire des selles français. Mais le percheron aussi est utilisé, pas que dans la garde républicaine, mais ils utilisent aussi le percheron puisque c'est un cheval de trait et que pour d'autres raisons, on en a besoin. Donc, quand un cheval gratte le sol, cela signifie qu'il s'impatiente, que ses naseaux le démangent, qu'il a peur ou qu'il veut danser. Qu'il s'impatiente. Parce que si ses naseaux le démangent, il peut se gratter normalement. Enfin, il va chercher à se gratter en tout cas. Hop, ce qui me paraît totalement évident. Tac. Voilà, nickel. Du coup, les objectifs. Donc, nous devons faire 40 heures de balade en forêt. Ça tombe mal, je n'ai pas de dada que j'envoie en forêt. Donc, on va voir ça. Du coup, alors, nous avons plein de choses qui sont actuellement disponibles. Déjà, nous avons des divins Falabella à gagner dans les défis des titans. Ça fait un petit moment. Bon, ils nous les sortent assez régulièrement quand même. Mais si je ne dis pas de bêtises, normalement, les Falabella donnent des bonus pour les compétitions. Des petits bonus. Un petit boost, il me semble, si je dis pas de bêtises, à confirmer. Ensuite, nous avons Devoted Indigo qui est à gagner. Il offre chaque samedi après la mise à la condition que vous êtes connecté au moins une fois dans les 3 jours qui précèdent. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. En ce moment. Mais vous inquiétez pas, je reviens. Je reviens, je reviens. Je vais finir mon petit travail là que j'ai actuellement et après je vais pouvoir avoir tout le temps du monde pour jouer au jeu. Avant de reprendre après, bien sûr, bien évidemment. Mais ça, je ne vous donne pas de date parce qu'il n'y a rien encore qui est décidé. Donc, nous avons alors, le défi des titans, la couronne de Tiché. Alors, nous avons Zebra, Jenny, qui permettent d'obtenir Zonkei. Voilà, alors ça, voilà, j'ai appris ça il y a peu de temps, des nouveaux divins qui peuvent se reproduire. Plus. Alors, ça, voilà, ça peut être marrant. Voilà, plus le bloop est élevé, plus vous augmentez les chances qu'une mutation génétique se produise. Donc il y a plusieurs styles de couleurs. Voilà, comme tous les divins, ils ne comptent pas pour le prestige. Et il peut participer aux compétitions ouvertes, etc. Voilà. Ok, d'accord. Donc je suis une sorte de petit divin pour le fun et tout. Alors, je vais vous donner mon avis personnel. Ça ne m'intéresse pas. Franchement, c'est le divin qui, pour moi, n'a strictement aucun intérêt à part juste du visuel et du kiff. Sans compter les graphismes qui me transcendent pas plus que ça. C'est sympa, c'est très bien fait. Mais voilà, sans plus. Voilà, je vous donne mon avis, c'est juste du plus. Sur Ikideo, pour moi, c'est du. Voilà. C'est du superflu. Donc voilà, je pense que je ne me concentrerai pas pour les avoir, pour les obtenir. Donc là, je vais encore. Puis de toute façon, j'ai pas le temps. Clairement, vu qu'on a encore un grand défi, je n'aurai pas le temps de me connecter tous les jours et de réaliser les objectifs du grand défi tous les jours. Encore une fois, hein, ils prennent pas en compte que les gens, ils ont une vie pour leur petit jeu. Donc bon, c'est comme ça. Écoutez, tant pis. Donc, on va quand même essayer d'avancer un maximum. Bien que j'aurai pas beaucoup de temps à consacrer pour pouvoir avancer, donc on va quand même essayer de récupérer pas mal de petites choses. C'est vrai que par contre,
Même si lui, sincèrement, pff, voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Oui, je sais, on peut acheter encore, comme la dernière fois, une clé. Alors déjà, on peut acheter comme la dernière fois une clé. Ce que l'on peut obtenir, le truc final, voilà, donc c'est Zebra. Il y a Jenny à obtenir dans la couronne de Tiché pour avoir le couple. Et vous avez au final l'œuf d'Eros qui permet d'avoir des saillies supplémentaires pour vos chevaux divins. Donc de ce que j'ai compris. Donc, de ce que j'ai compris, donc il est applicable sur les Falabella, les Falacorn, les Zebras et les Jenny. Donc, si voilà, vous voulez compléter un petit peu votre Pokédex, vous pouvez vous le permettre. Mais sincèrement, pour moi personnellement, sur ma partie Gaïa, au vu de mes objectifs, ce n'est pas le style, que ce soit les Falabella, les Falacorn, quoi que Falabella et autres, ça donne quand même des petits bonus, c'est quand même intéressant. Mais c'est pas sur ce type de divin que je vais me concentrer, surtout si j'ai besoin de divins qui me permettent de pouvoir avancer, bien avancer sur Gaïa. Et comme je l'ai dit, je manque un petit peu de temps pour pouvoir me concentrer sur ce genre de petits concours. Donc bon. C'est comme ça. Par contre, on va revenir. Donc, ce qu'il y a à gagner, c'est. Ça, c'est super intéressant. Le don d'Estia, mais j'ai bien peur qu'on n'atteindra pas ce niveau. Un anicorne mâle et femelle à gagner. Et ça, là, c'est de là, à condition d'avoir, bien évidemment, débloqué les récompenses premium. Franchement, si vous arrivez jusqu'au bout, moi, je serai vous. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais si vous arrivez à peu près jusqu'au bout, attendez, ne dépensez pas tout de suite. Voyez jusqu'où vous allez atteindre les niveaux de cadeaux. Et si vous arrivez à peu près jusqu'au bout, permettez-vous de dépenser quelques passes, puisque si on regarde tout ce qu'il y a à gagner, ça va être largement rentable. Donc justement, on va aller voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc nous avons des fragments, j'ai vu, bâton de fertilité, encore des fragments, des larmes. Ensuite, sans forcément passer par les récompenses premium, nous avons un pack des rats, des réductions sur les couronnes de Tiché et un pack d'harmonie. C'est pas mal. Mais juste rien que ça, là. Juste ça. Vous avez largement rentabilisé vos 600 passes. Ensuite, un petit éclair de Zeus, ça fait toujours plaisir. Nous avons 10 points de vieillissement, 20 000 écousses. Des bonus. Alors ça va être pour... Ok, ça va être pour un prochain concours. Généralement, il y a un grand défi, après il y a un autre mini-jeu qui arrive, qui est en lien après avec le grand défi. Ça, très intéressant. Par contre, obtenez une saillie supplémentaire pour votre âne ou votre cheval de trait. Alors, je ne me concentre pas sur les ânes, mais en revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pour les chevaux de trait. Et il me semble que ce n'est pas valable. Je regarde. À confirmer, mais je crois que les ânes licornes, voire peut-être les chevaux de trait licornes, à confirmer, je suis pas sûre. Ce n'est pas, ça serait bien si on puisse, on peut l'appliquer dessus. Ça serait super cool, mais à vérifier, je crois que c'est pas possible. À vérifier, hein. Mais prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Je dis peut-être des bêtises. Du coup, donc on a des petits fragments. Ensuite, on a un talon d'Achille, ça c'est très utile lorsque vous faites des bluffs intensifs. Nous avons, ou certains divins aussi, certains divins comme les chevaux des vents et autres, ça peut toujours être utile. Nous avons un kangourou, un cadran de Kéros, promotion sur les couronnes, un bâton de fertilité, 60 de fragments. 10 000 écousses, 5 passes, un pactole de Crésus. Bon, personnellement, non, c'est utile, hein, tout ce qui est cure-pied, peigne et peau de graisse, ça fait des bonus en plus. Mais, je vous le dis, hein, je ne pense jamais à les utiliser. Jamais. Et
Personnellement, je n'en ai jamais eu besoin, mais si vous en avez plein et que vous voulez, parce que ça arrive des fois d'avoir du mal à bloper ou d'avoir des difficultés, on a besoin de quelques petits bonus en plus, faites-le. C'est toujours utile, hein. Moi, j'y pense jamais. C'est vrai que il faudrait, quand j'ai des difficultés, quelques points de bonus, c'est toujours bon à prendre. Donc, en parlant de bonus, nous avons des bonus. Nous avons une liste des races, ça c'est super utile quand vous avez des difficultés à obtenir des robes rares. Ça peut toujours, voilà, ce petit bonus en plus pour les trophées, 50 fragments, 15 graines de passe, un lapin, 50 mâches, encore un petit œuf. Donc si vous gérez bien, normalement vous en obtenez 3. Donc ça c'est plutôt utile. Moins 15% sur les couronnes, une lyre, bon ça c'est... Voilà, là c'est pas ouf. Ensuite, nous avons une couverture, 7000 écousses et 10 graines de passe. Sans compter les bonus et un petit tapis 2 étoiles. Donc voilà, c'est pas mal. Mais si on regarde juste les récompenses premium, si on refait le tour, si vous prenez tout ça et vous dépensez 600 passes, c'est largement rentable. Mais vraiment. C'est largement rentable. Bon, après, bon, il faut quand même dépenser des passes. Mais le mieux, c'est d'atteindre les derniers niveaux. Et là, c'est largement rentable. Mais comme je vous ai dit, pour être sûr de vraiment rentabiliser vos 600 passes, essayez d'atteindre les derniers objectifs avant la fin du grand défi. Et vous voyez si du coup ça vaut le coup de dépenser les 600 passes. Parce que par exemple, si vous avez eu l'occasion de vous connecter, je sais pas moi, que 2 fois et que vous avez réussi à atteindre le... Alors si je dis pas de bêtises... Ben voilà. Par exemple à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire le 6e niveau, c'est pas intéressant. Après, bien évidemment, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Mais si vraiment vous voulez utiliser, dépenser des passes pour pouvoir obtenir un maximum de récompenses sans non plus vous ruiner, parce qu'il ne faut pas non plus voilà, se ruiner, le mieux c'est, comme je vous ai dit, atteindre les derniers niveaux et là, dépenser les 600 passes. Du coup, trêve de bavardage, j'ai pas mal avancé, donc on va déjà commencer à récupérer ceci, on va récupérer ceci. Ensuite, nous allons... Donc on a fait le clicor, les vidéos, objectifs, ça on a commencé, il faut qu'on finisse le grand défi. Espace créatif, on le fera tout à l'heure. On va passer un petit coup hop, au niveau du centre équestre, on va relancer quelques productions. Donc hop, c'est parti. On produit. Des petits mâches. C'est le premier truc qu'on a sous la main. Voilà, nickel. Du coup, ça c'est fait. Peut-être pas les ateliers, mais les prêts. On est sur 6, il faut qu'on récupère. Est-ce que je peux lancer des cultures? Non! Je ne peux lancer que des cultures de pommes. Où ça en est? Oula, oula, ouh! Va falloir que je répare, mais ça, c'est pas fini. Bon, je ne peux rien faire de plus. Est-ce que éventuellement. Alors, attendez. Ça, voilà. Voilà. Faudrait que j'agrandisse tout ça. Donc, ça, c'est fait. On va s'occuper des dadas. Donc nous avons le petit Tinker qui est juste là. Il faut que je finisse de t'entraîner. Voilà. J'ai pas regardé les objectifs et les défis qu'il y avait pour le petit concours. Ça me permettra de pouvoir mieux cibler ce que je dois faire. Alors attendez, je finis. Voilà. Là, le grand défi. Donc, tout ce qui est compétition, balade en montagne, point de vieillissement, équiper un dada, inscrire au Grand Prix, on est samedi donc ça va pas être possible. Ça, mais alors ça, c'est une excellente idée, Olien. Ça serait
éventuellement intelligent de prévoir et de changer ses objectifs quand le week-end arrive. Je dis ça comme ça. La semaine, oui, laissez-les, mais le week-end, mettez un autre objectif. Acheter un dada, donner un dada, placer un objet du marché noir de la catégorie personnalisation sur un cheval. Gagner une compétition de dressage. Ok. Alors, ce que je peux faire, s'il le faut, bien évidemment, je suis prête, mais oui, bien évidemment. Voilà. Alors, attends, avant d'aller récupérer, tu me laisses valider ça. Voilà, c'est nickel, c'est parfait. Bon, vous commencez à me connaître avec les lires, c'est pas spécialement mon délire. Avec les lires, c'est pas mon délire. Bref. Arrête tes bêtises, ça devient cringe, tout ça. Hop, on a obtenu des fragments. Et si on gère bien, et bien du coup, la lire que l'on a dépensée, on va pouvoir la récupérer. On va peut-être en dépenser une autre. Sur qui est-ce que je peux caler une lire? Pas les divins, c'est sûr. Allez, sur qui on fait le... Premier qui vient, une licorne? Allez, une licorne. Te prends pas trop la tête. Allez, Lazrat. Voilà, nickel. Parfait, on enregistre. On récupère. Parfait. Et il nous reste plus qu'un point. Donc une compétition et c'est fini. Donc on va s'occuper des divins. Voilà. On va le coucher. On va le nourrir. Nickel. Je peux vous dire que je galère avec cette attelle-là. Pas confortable. Pas confortable. Du barrel. Il nous reste des points à récupérer en barrel. Pouf, pouf. Pouf, pouf. Les soins, la nourriture. Voilà, nickel. Et on peut encore. Parfait. On a bientôt fini avec Misaki. On aura moins de temps à passer bientôt. On aura juste à s'occuper de lui et c'est tout. En vrai, j'aurais pu ne pas m'embêter à l'entraîner et tout, hein. Et me concentrer uniquement à récupérer les passes. Mais je sais pas. Moi et mon autisme, j'aime bien quand tout est parfait, tout est bien, tout est fait en fait. Hop. Hop. Et c'est bon. Du coup, les divins, c'est fait. On va passer maintenant au dada. Alors, la Kalteke, toujours un petit poulain, ça arrive. Nous avons les petits Curly. Je t'entraînais en montagne. Voilà. Ah, montagne, c'est fini. J'ai commencé à t'entraîner en endurance. Donc, je devine qu'il faut que je t'entraîne en endurance. On a le petit poulain qui est juste ici. On va le nourrir. On va jouer. On peut encore jouer. Quel âge tu as? Tu as 1 an et 2 mois. Bientôt, tu es adulte. Enfin, un jeune adulte. Voilà, nickel, c'est parfait. Et il nous reste réfléchis, réfléchis. Oui, je. Ah non, je l'ai fait. Non, j'ai fait. Je me suis occupée de lui.
Ok, nickel. Bon, eh ben je pense que j'ai fait le tour de tous les dadas. Du coup, on va passer à l'espace créa juste avant. Nickel, on a le 100 sur 100. Avant, on a les balades en forêt. Ça serait tip top. Sauf que je ne veux pas faire de bêtises. Alors, les balades en forêt, c'est fait. Balade, c'est fait. Les balades, c'est fait. Toi. Toi. Voilà, c'est parfait. Allez. De toutes les façons, il faut que je finisse de t'entraîner. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Nickel. Il m'en reste encore des... Oula, ouais. On a fait que 40%. Ok. Allez. Encore. Non, pas montagne. Ah, foutu attelle. Je peux vous dire que je galère. Hein. Là, je galère bien. Hop. Oh non, ça fait beaucoup. On fait vieillir encore un chouïa. Et normalement, si tout se passe bien, j'aurai mon quota d'heures et j'aurai validé l'objectif. Tac. Pouf, 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 pouf. Carotte. Allez, dis-moi que c'est bon. T'es pas très gentil, là. Allez, encore un coup. Bon, ça nous fera finir de l'entraîner plus rapidement. Bon, du coup, vous aurez un gros épisode. Voilà, vu que j'ai pas en tourné avant un petit moment, vous aurez un gros épisode. Ça compensera. Du coup, normalement c'est bon là, tu vas pas exagérer quand même. Voilà, nickel, 20 passes, nickel. Et du coup, voilà, on va pouvoir remonter à 1000 passes et on va pouvoir, alors pas pour cette fois-là du coup, mais j'attends de voir ce qu'il y aura pour le prochain petit concours, le prochain mini-jeu. Et on essaiera d'avoir le divin, si bien évidemment il est intéressant aussi. Du coup, est-ce qu'on vote pour les plus moches ou pour les plus belles? Allez, les plus moches. Les plus moches. So delicious. Les plus moches. Juste pour foutre la merde dans les votes. Parce que j'aime bien foutre la merde dans les votes. Allez, ça. Bien délicieux. So delicious, là. C'est bien délicieux. Celle-là, elle est pas mal. Tac, 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 celle-là, elle est pas mal. Ah, oh, putain, elle est bien celle-là. En vrai, c'est pas trop mal dessiné, hein, mais. C'est pas ouf, quoi. Par ça. Bien moche, bien moche, bien moche. Ben là, vous avez bien. Là, ça va, ça va. Mon autre nard, c'était moi mon kiff, mais bon. Je veux qu'elle soit vraiment moche, en fait. Voilà, là, c'est parfait, là. C'est rigolo ça, c'est rigolo. Allez, on passe. Quand je pourrai plus passer, je me déciderai. Toutes sont bien faites. Toutes bien faites, hein. Bon, allez, celle du milieu. Celle-là, c'est moi mon kiff. Celle-là. Oh putain, l'autre à côté, là, elle était bien. Le cheval steampunk. Alors non, hors de question, je ne vote pas. Vas-y, j'aurais pu voter, ça lui aurait donné. Hein. Mais je vote pas contre, en fait. Je vous dis pas que c'est moche. C'est du steampunk, tout de suite. Ça pique les yeux. Ça, c'est allez, celle-là.
Ah, pas trop mal. Allez, celle-là. Quelle est la moins travaillée? Celle-là. Allez, hop. Je suis vache, ouais, je sais. Quelle est la moins travaillée? C'est dur, du coup, je prends celle du milieu. Bon, elles étaient bien faites toutes. Quelle est la moins? Celle-là, c'est moins transcendant. Pouf, 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 celle-là, elle est pas ouf. Pouf, pouf, pouf. Il n'y en a aucune qui est moche et il n'y en a aucune qui est belle. C'est particulier, celle-là. Celle-là, un peu moins travaillée par rapport aux autres. Moins de détails. Celle-là, et on dirait que tu as collé du Photoshop, là. Elle est parfaite. Photoshop, c'est parfait. Celle-là, un peu moins, me transcende moins. Lesquelles me transcendent moins? Celle-là ou celle-là? J'en sais rien. Allez, celle-là. Ça va être très joli. Ça va être pas mal. Allez. Contre le cheval dragon. Et ouais. Celle-là, pas ouf. Allez. Du coup. Elles sont toutes bien faites. Hein. Allez. Quand je sais pas, je prends celle du milieu. À côté des deux autres, c'est celle-là. Là, un problème avec les pixels, le contour et tout, le contouring. Hop. Celle-là, bien dégueulasse. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouah, sont toutes bien faites. Hein. Allez, celle du milieu. Parce que j'ai pas. Je sais pas. Là. Bah celle du milieu, du coup. Parce que elle est celle qui me fait moins kiffer. Du coup. Celle-là. À côté des deux autres, c'est la moins bien. Qu'est-ce que nous avons? C'est pas trop mal tout ça, c'est pas trop mal, c'est pas. Allez hop, celle du milieu. Qu'est-ce que nous avons? Celle du milieu est immonde. Ensuite. Celle du milieu me transcende moins, c'est un style. C'est un style. C'est pas. Je dis pas que c'est mal fait, c'est juste un style. Qu'est-ce que nous avons? Alors là, là, je sais même pas laquelle choisir. Pas parce qu'elles sont belles, hein. Parce qu'elles sont pas ouf. Hein. Pouf, pouf, pouf. Celle qui me transcende moins, c'est celle-là. Celle qui me. Oh putain, elle est parfaite, celle-là. Ensuite. Oh putain, elle est parfaite. Je veux la voir passer, celle-là. C'est horrible. Du coup, celle-là, c'est pas ouf. Là, c'est dur. Hein. Bon, du coup, celle du milieu. Celle-là, à côté des deux autres. Celle-là, elle est bien dégueulasse. Qu'est-ce que. Ah, putain, elle est parfaite, celle-là. Allez. Qu'est-ce que nous avons? Truc pixelisé, ça peut être. C'est un style, hein. C'est un style. Bon, à côté des deux autres, je suis désolée. Je suis désolée. Du coup. Ah, celle-là, elle est parfaite. Celle-là, elle est bien dégueulasse. Voilà. Nickel. On a fait notre vote de robe moche. Dernier truc, on va passer au niveau de la boutique. On va vendre un petit peu. Mâche. On va vendre 100 mâches. Voilà. Petite centaine de mâches. Ah, on a des graines de passe. Ça va être parfait, ça. Ah ouais, mais il faut que j'achète. Ouais, c'est pas intéressant. Ouais, on a bien de la litière, de lin. Mais je garde la paille pour faire de l'engrais. On a pas mal de cuir. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Bon, pas grand-chose en fait. Bon. C'est déjà bien. Du coup, ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, vous savez ce que ça veut dire? C'est la fin de cette vidéo. Voilà. Et on va féliciter. Il y a beaucoup de Gwen là, ici.
Hop, on va féliciter. Voilà, nickel, c'est parfait. On félicite. On félicite. Et on félicite. Allez, nickel, parfait. Eh bien, écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. On a vu tout ce qu'il y avait à être vu. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode, qui aurait quand même été un petit peu plus long que les autres, vous aura plu. On se retrouve pour dans 2 semaines, du coup, pour Aikidéo. Et bien évidemment, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Allez, sur ce, des bisous, bye bye!